On a voulu montrer plusieurs artistes, peintres et sculpteurs de plusieurs générations, de la doyenne Salwara Ouda Choukair au plus jeune Anas Brehi, et dans la peinture et dans la sculpture en même temps. C'est une scène très créative pour un pays qu'on ne mentionne que pour des catastrophes. Il y a une scène artistique florissante et magnifique.